Jérôme Commander est là ? Oui, bonjour. Ah bonjour Jérôme, je ne vous avais pas vu. Il attend son tour. J'écoutais Dave. On peut demander à Jérôme de mettre la casquette réglementaire peut-être. Ah, allez, tiens. Hein ? Bon, j'ai pas grand-chose à cacher niveau cheveux, mais voilà. Ah, voilà, tout de suite. Alors, bourde étonnante, cher Marco, que celle d'un DRH de l'ouest de la France, qui a envoyé à toute sa boîte le fichier de tous les noms des employés, suivi de ses petits commentaires. Alors, bonne ambiance dans la boîte là-bas, la machine à café ce matin. Alors, comme c'est le départ de Marco, je me suis procuré son petit carnet. Alors, je vous donne les notes que Marco nous a attribuées. Anne, la réalisatrice, 3 sur 20. Incapable de lancer un effet à l'heure, elle viendrait avec des moufles, que ce serait pareil. Salaud. On l'embrasse, elle est amie à Anne, et c'est Jean qui la remplace aujourd'hui. Julie, 8 sur 20, finit très bien mes phrases, mais commence très mal les siennes. Blakowski, 9 sur 20, c'est tellement fin qu'on comprend le lendemain, mais comme il y a une chronique par jour, du coup, on comprend rien. J'ai failli avoir la moyenne. Carlier, Noël, 16, les jours où ils sont là. Et enfin, Commander, 19, merci Marco, sur 100, ce qui équivaut à un 3,8 sur 20. Alors pour conclure, moi je voulais vous faire un tout petit cadeau. Parlez-vous le SMS, hein, c'est un petit ouvrage. À mon avis, vu tous ceux que vous avez passés pendant mes chroniques, la réponse est oui. Dictionnaire français, SMS, j'ai pigé, t'as pigé. Je le garde, je le lirai pour la semaine prochaine. Je vous enverrai un SMS pendant Guillaume Caour, de toute façon, non ? Un gros bisou. On écoutera avec plaisir à partir de lundi. Salut, merci beaucoup. Merci. Jérôme, bonne chance à vendredi prochain avec Guillaume.